Pentru majoritatea oamenilor, aventura presupune un dezechilibru interior marcat de exuberanța exterioară. Este un risc continuu care cheamă un stil de viață neobișnuit, pus pe călătorii, pe nonconformism, pe trăirea clipei. Alors, il me semble qu'Eliade avait pour patrie la Roumanie, d'abord. Ce qui m'amène à dire ça, c'est bien des choses, mais c'est le fait qu'il m'ait répondu un jour qu'il rêvait en roumain. Et il me semble que le fait de rencontrer dans son rêve la parole roumaine, si la parole et la patrie sont à ce point liées, n'est-ce pas, montre que ça met cette patrie, était une patrie d'emblée, dès ses 20 ans, je dirais, et en elle-même, ouverte au monde. Une patrie comme si l'essence de la Roumanie, mais qui suis-je et que sais-je pour en parler, comme si l'essence de la Roumanie était précisément un sentiment de soi qui ne se sépare pas d'un sentiment du monde, du voyage, de la découverte. Et donc... où était la patrie d'Ulysse? La Roumanie se définit, et cela entraînerait aussi sa propre approche de l'homme, n'est-ce pas, comme une terre, un pays intermédiaire entre le monde oriental, slave, orthodoxe, et la langue latine, et donc la culture. Une culture qui est commune au Portugal, à la France, à l'Italie, à l'Espagne, c'est-à-dire à la culture, à cette romanité. Et il me semble que la Roumanie est seule à être ainsi construite. Et donc elle est un creuset de deux spiritualités, de deux courants de l'humanité très proches, mais, à mon sens, trop séparé aussi, trop distinct. Quelle est votre relation avec la contemporanéité? Vaste, très vaste question. Est-ce que vous entendez par là ce qui nous entoure, ou bien la modernité, ou les deux? La modernité, la contemporanéité. Voilà. Ben, je douterais un peu de la contemporanéité. Parce que nous sommes contemporains de ce qui nous précède, n'est-ce pas, à tout le temps, n'est-ce pas, que ce soit d'il y a un siècle ou d'il y a 1000 ans ou bien davantage, je dirais même que nous sommes contemporains du futur, pas, de ce qui est là sans être encore très sensible ni visible. Et nous ne devons pas confondre, sûrement, dans notre époque, la contemporanéité et l'actualité. Je dirais, ce qu'on nous fait passer pour l'actualité, n'est-ce pas? Quant à la modernité, c'est une question beaucoup plus importante pour un artiste, pour un écrivain, notamment. Parce que, au moins depuis Baudelaire, ce souci d'être de son temps, d'être en accord avec ce qui est en train de surgir, Eliade était très sensible au surgissement nouveau de l'homme, n'est-ce pas, en l'homme, et de ne pas répéter les formes ou les pensées usées, n'est-ce pas, ou désertes, ça nous tracasse beaucoup au point de nous égarer dans les miettements, les frittements justement de l'actuel, de l'éphémère, mais d'un éphémère sans valeur, n'est-ce pas. Alors, pour beaucoup, et je fais partie de cela sans doute, pendant longtemps, cette espèce de débat, sinon de combat, avec ce qui est permanent, ce qui est essentiel, entre ce qui est essentiel et ce qui est neuf et quelquefois inintelligible, et ça aussi Eliade parlait souvent de l'inintelligibilité immédiate de quelque chose qui
une religion, par exemple, n'est-ce pas, ou une religion à venir, couve, en somme, et va éclore, couve et va se déployer. Oh, ma découverte de la Roumanie, je dirais mon entrée en Roumanie, évidemment, je la dois à Eliade, aussi à Ionesco, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, de connaître un peu. Mais Ionesco n'était pas moins français que roumain, il me semble, n'est-ce pas? Oui, il m'est arrivé de croiser Thioran, bien sûr, dont j'ai connu les Roumains de Paris. Comme on dit, il y en a d'autres que ces trois Roumains-là. Brancusi me parle beaucoup, bien sûr. Précisément parce que voilà quelqu'un qui est un artiste, un ami de Duchamp, d'une part, et qui a su unir l'invention d'une sculpture jamais vue, inouïe, je dirais, et en même temps un enracinement dans sa propre tradition, réinventée si l'on veut, et dans une tradition plus profonde encore que celle d'un peuple, une tradition humaine, je dirais. Pour faire œuvre de beauté, pour unir la forme et le sens.